meilleur programme court. Marie. Donc le meilleur programme court est attribué à... J'annonce ? Allez. Dans la tête des gens. De Guilhem Connac. Merci, merci, bravo. Merci. Merci beaucoup, merci au public de Luchon. Effectivement, un prix du public, c'est très important parce que quand on fait un programme court comme celui-ci, ben d'abord, on l'adresse aux gens qui vont le voir. Donc, merci à tous les Luchonnois-nés qui ont voté pour nous. Voilà, il n'y avait pas d'internaute. Voilà. J'aimerais... voilà, c'est la première fois qu'on gagne un prix avec une série télé. C'est une série qui va être diffusée dans un coin du sud de la France, puisqu'on l'a créée à Nîmes et à Montpellier avec une équipe du sud. Ça s'entend peut-être un petit peu. Donc c'est diffusé sur TV Sud. Bon, on cherche à le diffuser dans une télé nationale. Voilà, par exemple TV Nord, TV Ouest, TV Est, et comme ça on a tout fait. Voilà, à partir de là c'est parfait. Donc si jamais il y avait un diffuseur qui avait un petit peu du courage de prendre ce genre de programme, on est évidemment très intéressé pour les rencontrer. Et en tout cas, c'est un appel du pied de la part du jury de sélection, de la part du public, de la part tout simplement du festival, de nous accueillir et de nous permettre peut-être de propulser voilà, à travers ce prix. Le programme, voilà, c'est bon. Guillaume Connac, le réalisateur, Benoît Labanière qui joue dans la série, Sarah Cheyenne, comédienne également, Marc Michaud qui représente Fiction Air, puisque c'est une coproduction, en fait, TAS Production, Fiction Air, qui est évidemment présidé par Nagui. Voilà, mais peut-être que vous voulez... Ah oui, pardon, il y a qui voulait... Vive la France. Et bien sûr. Bravo. Bravo. Elles ne sont pas là, mais Rachida Khalil et Sophie Mounico, qui sont également dans le programme, vous embrassent tous. Elle m'a dit qu'elle connaissait tout le monde. Donc. Et puis évidemment, Éric Logérias, qui n'a pas voté pour nous parce qu'il n'était pas dans le public, et qui évidemment n'a pas eu le droit de voter, puisqu'il était dans le jury, on verra après comment ça s'est passé. Merci. Merci beaucoup. Bravo. Bravo. Merci à vous, photos et extraits dans la foulée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Notre 3, 2, 1, 0. Papa, maman, je suis homosexuel. Mais frère, je serai. Ouais. Qu'est-ce que les gens vont penser? Ici, vous avez la famille d'un homosexuel. Bravo. Et on poursuit avec encore un prix du public, cette fois-ci pour la série ou mini-série. C'est vrai. Le prix du public est attribué à Chef. De Chef. Merci beaucoup. Je suis évidemment très ému. Et très vite, je vous présente les gens. On va faire court, hein, parce que je sais qu'il y a beaucoup de prix derrière. Marion Festraet, donc qui est la co-créatrice de la série avec moi-même et qui est donc scénariste également de la série. Joyce Bibring, qui joue Charlène. Anne Charrier, qui joue Delphine. Nicolas Gobbe, qui joue Yann. Et Xavier Mathieu, qui joue le producteur. Voilà, donc très très vite, je suis très ému et voilà, c'est pour nous aussi un petit peu le prolongement de la projection qu'on a connue cet après-midi quand tous nos copains professionnels prenaient le soleil là-haut. Voilà, on avait le public, on avait les gens et évidemment qu'on fait aussi cette fiction pour le public. Donc voilà, je remercie le public. Voilà, merci. Bravo. Merci. Avancez-vous pour la photo. Dernière.
Dernière petite chose, mon producteur il m'avait bien précisé, tu remercies évidemment nos partenaires France 2, TV5 Monde et la région Île-de-France et qui ont cru au projet, et qui ont cru au projet dès le début, qui nous ont vraiment soutenus. Et pour ceux qui n'ont pas vu les deux premiers épisodes, c'est diffusé mercredi à 20h45 sur France 2. Voilà. Très bien. Voilà, merci bien. Merci beaucoup à vous tous. Merci. Et un extrait de Chef. J'ai mis 30 ans à en arriver là où j'en suis. 30 ans à bosser comme un chien, 16 heures par jour, 6 jours sur 7. À suer dans une chaleur, à brûler la couenne. J'ai pas d'amis, j'ai pas de femme, j'ai pas de famille, j'ai même pas d'argent, rien. Tout ça parce que mon métier, c'est ma vie, c'est toute ma vie. Bonjour à tous. Ouais. À voir des mercredis. À sortir mercredi, donc mercredi sur France 2. Très bien. Et maintenant, sur le dernier prix du public, le... Film ouais. Unitaire. Film unitaire. Allons-y. Le prix de la meilleure fiction unitaire décerné par le public de Luchon. Le prix de la meilleure fiction unitaire, The Price of the Best Fiction in Unitary, est décerné à... Au Fusillé de Philippe Tribois. Bravo. Bonsoir à tous. Bénédicte Le Sage, productrice. François Stahl, musicien. C'est une belle continuation parce que ce matin, on a vécu deux heures assez formidables avec le public, effectivement. D'abord parce qu'ils ont apprécié ce qu'on leur proposait. Et là, je rejoins mon confrère du documentaire quand il parle de notre petit travail solitaire et qu'on se rend compte que ce petit travail solitaire prend un sens pour la multitude. Et puis après, surtout, on a passé un super moment dans des discussions où on s'est rendu compte que tous les thèmes qui étaient dans le film avaient été identifiés, que les gens nous en parlaient avec des mots qui étaient parfois plus précis que les miens. Donc bravo pour votre intelligence publique. Merci. Bravo. Merci beaucoup parce que c'est produire des films, c'est quelquefois un chemin long, complexe, où il ne faut pas douter, il faut y aller. Et c'est vrai que je pense que ce matin, le retour qu'on a eu du public, c'est le plus beau retour que j'ai jamais eu. Et donc, je remercie vraiment très, très fort le public de Luchon, parce que c'est très précieux, c'est ce qui nous donne envie de continuer. Donc, merci beaucoup. Merci à toi. Le prix du public, c'est top, et c'est l'émotion, c'est une émotion énorme. Et je crois que la musique essaye d'être l'émotion, donc émotion contre émotion. Merci beaucoup. Merci. Allez-y. Et un dernier mot, bien sûr, ce film n'aurait pas existé sans France 3. C'est France 3 qui nous a fait confiance, la région Île-de-France. Et voilà, merci à nos partenaires. Et Mascaré Film, vraiment, sans qui je n'aurais pas fait le film. Ariel Eskenazi, qui est l'associé de Bénédicte et qui n'est pas là ce soir, mais j'y pense très fort. Merci. Bravo, merci. Restez là. Une petite photo. C'est ça. Merci à vous trois, merci beaucoup. Les Fusillés, à découvrir bientôt sur France 3. Merci beaucoup Charles, merci beaucoup, merci à vous Marie et Eric, merci à vous. Voilà, maintenant nous allons passer à un prix qui me touche personnellement. Il y avait pendant des années ici une dame très gentille, très jeune, très belle, qui s'appelait Isabelle Nataf. C'était une critique au Figaro, critique de télévision au Figaro. Isabelle Nataf nous a quittés, comme ça brusquement et comme elle a vécu, c'est-à-dire dignement... Elle a disparu, elle est morte, hélas, d'une maladie qu'on appelle incurable.
et on pense à elle. Et chaque année, on a décidé de créer un prix qui était au fond le prix de la critique. C'est le prix de la critique, c'est donc un prix très important qui porte son nom, en souvenir d'elle et un souvenir affectueux pour elle. Donc le prix de la critique ce soir va être décerné par un très très bon journaliste et un ami qui est Thierry Moreau, qui est dans la salle, qui est le patron de Télé 7 jours. Thierry, si tu veux bien te rapprocher de nous. Voilà Thierry. Merci à toi Thierry. Bonsoir. Je voulais juste dire un petit mot sur Isabelle quand même. Elle est là. Alors Isabelle faisait partie du comité de présélection. Alors pour, si vous ne le savez pas, il y a un comité de présélection qui visionne à peu près une soixantaine d'œuvres, programmes courts, fiction, pour ensuite faciliter le travail du vrai jury qui décerne les prix. Et c'est vrai que les avis d'Isabelle étaient toujours pertinents, elle était toujours passionnée, elle était très juste. Elle avait commencé au Matin de Paris, elle avait fait quasiment toute sa carrière au Figaro. Le lendemain de sa disparition, il y a un de ses collègues qui avait écrit que c'était une belle personne, et je crois que ça la résumait assez bien. Alors, les gens qui sont politiquement corrects, elle est née en 61, elle est partie au mois de mai, donc trop tôt. Alors, quand on est politiquement correct, on dit qu'elle est partie des suites d'une longue maladie. En fait, elle était atteinte d'un cancer, tout simplement. J'en profite pour dire que le 4 février, c'était la journée nationale de lutte contre le cancer. Donc, si vous avez quelques piécettes au fond de vos poches, n'hésitez pas. En tout cas, Isabelle, où que tu sois, on pense très fort à toi. Et le fait que ce prix porte ton nom, c'est une manière que, voilà, de penser encore à toi et que tu sois vivante parmi nous. Voilà. Merci. Ah, je suis tout seul pour ouvrir. Ah, oui, je peux aider en même temps. Tout va bien. Hein. Donc, le prix Isabelle Nataf de la critique est remis à Arletty, une passion coupable de Arnaud Sélignac, de Flash Film Productions, France 2, TV5 Monde. Bravo. Merci, bravo. merci beaucoup. Je t'en prie. Alors, mes petits amis ont eu une petite soif, je crois, donc ils reviendront plus tard. Ils sont déjà partis au bar. Donc, c'est un immense honneur pour nous. Merci beaucoup. C'était un film qui nous portait vraiment à cœur. On a mis un certain temps à le faire. On remercie beaucoup France 2, Jean-François Lucioni, Thierry Sorel de nous avoir supportés. On remercie aussi évidemment TV5 Monde qui nous suit, qui nous accompagne dans beaucoup de nos projets. Et ça fait toujours plaisir d'avoir des partenaires comme ça. La région Île-de-France, le CNC, la Procirep. Et on remercie aussi beaucoup toute l'équipe du festival de nous accueillir comme ça chaque année. Aussi bien, la montagne est très belle ici et c'est un peu grâce à vous. Merci. Merci. Bravo. Bravo. Merci. Je pense qu'on vous attend pour une photo. Quand ils auront dessoulé, tu leur diras. Hein. Ils feront la photo au bar. Oui au bar. Oui. Merci. Merci à toi. On ne sait pas. Merci beaucoup. Ah, tu es deux. Ah oui, non. Moi, si je répète, je me répète. Et si je me répète, je suis plus sincère devant la caméra. Avec Laetitia Casta dans le rôle titre, ouais. Avec Laetitia Casta qui a fait effectivement une superbe interprétation de d'Arletty. Je crois qu'on a tous une image en tête d'Arletty. Elle est probablement différente pour tout le monde et elle a réussi à imposer très très vite son choix, son interprétation et ça a été vraiment un plaisir de travailler avec elle. Merci à toi. Merci. Au revoir. Merci. Alors maintenant, nous passons à une autre forme de un autre jury, n'est-ce pas ? Nous allons passer au jury des documentaires. Et le jury des documentaires, jury professionnel des documentaires, pour la première fois, comme vous le savez, un jury documentaire ici qui est présidé par Tony Marshall, qui va venir nous rejoindre sur scène avec les membres de son jury. Je vous prie d'accueillir très chaleureusement Tony Marshall. Tu peux présenter les gens. Je quoi ? Non. Ah oui, alors je vais présenter mon jury, Ruth Zilbermann, Gilles Demestre, Marie Crémer et Paul Nahon. Bravo. Et on est une
contrairement aux jurys fiction, on est une petite équipe très soudée. Ouh. Non, j'avais dit que je le ferais, je l'ai fait. Ils répondront yes. tout à l'heure. Non, je voulais d'abord vraiment remercier Serge Moati, Claude Corret, le Festival de Luchon de nous avoir invités. On m'avait dit que c'était un festival sympathique. Eh bien, c'est vrai, la réputation n'est pas usurpée. C'est un festival sympathique. Vraiment. D'abord parce qu'on a des anges gardiens. Merci ah, oui. Sylvette. Vraiment, merci. Elle est fantastique. On a des bénévoles absolument incroyables qui sont toujours souriants et qui nous encouragent à chaque moment où on rentre dans la salle, comme si on allait faire un exploit sportif. C'était vraiment très agréable. Alors ça, c'était les plus. Maintenant, je vais passer au moins. On était extrêmement contents qu'il y ait une section documentaire. Et on trouvait qu'il n'y avait pas assez de films. Ouais, ouais. Vraiment, on aurait aimé qu'il y ait... On a vu 7 films et tous, on est d'accord, ça mérite au moins 5 films de plus. Bien sûr. Parce que ça permet d'élargir les discussions, etc., etc. Voilà, donc si la prochaine fois... Il y en aura plus. Il y en aura plus. Non, il magnifique. Faut que ça sache, on s'y est pris tard. Et ça, voilà. Vraiment, voilà. Non, mais vraiment, oui. Voilà, et à part d'accord. ça, on est, je crois, on a, va remettre un prix à l'unanimité absolument. Pour un film qui est un premier film sur peut-être la jeunesse, l'amitié, le courage physique, mental, et quelque chose qui s'apparente peut-être à la quête du sens de la vie, et qui est un film très fort d'un jeune homme qui s'appelle Jérôme Clément Wils, Le baptême du feu. Bravo. Vraiment bravo, vient de lui souffler Tony Marshall. Il faut vraiment qu'il parle bravo. De son film. Il l'a très bien présenté. Il faut que vous dites. Merci. En fait, en 2011, je venais de m'acheter une caméra et je suis parti sur ce projet de film. Enfin, je savais même pas ce que j'allais filmer et l'histoire s'est comme imposée à moi quand j'ai entendu ces reporters parler ensemble dans l'avion. Et instinctivement, j'ai commencé à filmer. Et je n'ai pas pu m'arrêter. Vite, j'ai rencontré Jérôme Casal, producteur, qui m'a fait confiance, qui a tout de suite signé le film. Et ça a été 4 ans d'un tournage difficile, très éprouvant. Pour plusieurs raisons, c'est évidemment, bon, il y a la peur de la guerre, il y a tout ça, mais c'est surtout, c'est la question, c'est qu'est-ce que j'ai envie de raconter. Et en fait, ça parle de notre génération, enfin de ma génération en tout cas, et de ces gamins qui partent sous les bombes, avec un désir parfois un peu naïf de dire, voilà, je veux vivre l'histoire, je veux la raconter. Et en fait, ça devient quelque chose de beaucoup plus complexe de dire, mais qu'est-ce que ça veut dire être au monde? Qu'est-ce que ça veut dire le raconter? Qui je suis pour le raconter? Et comment je peux le faire pour pas dire trop de conneries? Ce sont des photographes de guerre. Hein. Ce sont des photographes de guerre, des photographes et des rédacteurs de guerre. Et donc voilà, ce baptême du feu a été un peu mon baptême du feu aussi. Alors c'est drôle parce que, ça c'est ce qu'il y avait sur mon fauteuil. Et il y a marqué... Un baptême du feu toute ma vie, parce que j'étais aussi l'assistant de Christophe Otzenberger, qui était aussi en sélection, qui est un peu mon papa, qui m'a tout appris. Moi, je n'ai pas fait d'école, et lui, il est Hélène Badinter. Et voilà, j'espère que chaque documentaire sera un peu un baptême du feu toute ma vie, et que je garderai... Je parlais avec ma monteuse, à elle, aujourd'hui, et je disais, en fait, je crois que quand on commence un film, il faut se demander s'il est nécessaire. J'aimerais vraiment accompagner ce film dans des écoles de journalistes, dans des facs, etc., pour leur dire, mais c'est maintenant qu'il faut réfléchir à ce que vous êtes et ce que vous dites. Et c'est... c'est maintenant. Bravo. C'est vachement mignon.
un baptême du feu, premier Pyrénées d'or du documentaire. Comment ? Le premier Pyrénées d'or. Le premier Pyrénées d'or du documentaire, du festival de Luchon. Du festival de Luchon. Bravo. Il y en aura beaucoup d'autres. Mais avec bravo. Fait, on regarde. Bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup au jury. Merci beaucoup au jury. Et bien maintenant, j'ai le plaisir d'introduire, de faire monter, de faire venir sur la scène le jury de la fiction qui est présidé par Pascal Thomas. Donc Pascal, si tu veux bien rejoindre la scène, suivi par ton jury. Avec l'ensemble du jury, oui. Oui, oui, venez avec lui. Ils arrivent. Allez-y, venez. Pendant leur venue, pour passer le temps, j'ai une métaphore de Borges sur le battement d'ailes de papillon qui peut changer le monde. Quand tu as évoqué la tragédie de janvier, je voudrais dire que la SRF, la Société des réalisateurs de films que j'ai présidée pendant des années, s'occupe de beaucoup de choses, peut-être qu'ils semblent ne pas devoir la regarder, mais entre autres, des sans-papiers. Et on avait fait un film, il y a 2-3 ans, sur ces sans-papiers. Et au centre de ce film, il y avait un garçon qui nous paraissait passionnant, intéressant, émouvant, qui n'avait pas ses papiers. Et grâce à ce film, ce mouvement, cet intérêt que les cinéastes ont porté à ce garçon, il a eu ses papiers. Et qui était ce garçon ? C'est le jeune Malien qui a protégé les gens dans l'hypercachère. Exactement. Ça, c'est le battement d'ailes de papillon. Ce garçon, au beau regard, avait cette qualité d'homme fait, courageux, et il a été à l'origine de cette action merveilleuse qui a sauvé tant de gens. Autre battement d'ailes de papillon qui peut-être va paraître déplacé ce soir, mais on peut penser que le festival de Luchon va s'inscrire dans le patrimoine de la région, si ça continue. Et vous savez que le patrimoine, il en prend un coup à cause des politiques, de l'État, etc. Il y avait une chose merveilleuse à Luchon, qui était un peu, qui faisait partie du décor, c'était le train de Luchon. Et ce train de Luchon, à la différence du train des Catalans qui va peut-être être inscrit au patrimoine de l'UNESCO, à cause de l'indifférence, du laisser-aller, du manque de bon sens des politiques, depuis des années, va se trouver à disparaître. On me dit que les boulons sont rouillés, que ça coûte cher, etc. Il y a des tas de choses qui coûtent cher, il y a des dépenses qui se font. Or, je pense que ce train qui reliait la région, symboliquement, depuis tant de temps, on devrait se pencher sur ces boulons rouillés, aller remplacer et retrouver cette beauté qui est dans le paysage et oublier et suivre le bon sens du public et des utilisateurs et non pas l'abandonner. Voilà. Alors peut-être que ça sera un battement d'ailes de papillon qui va vous permettre de retrouver votre train. Voilà. On était un peu en dehors de ce sujet, mais on n'est jamais les cinéastes en dehors du sujet. Il s'agit maintenant de passer aux récompenses. Absolument. Et de passer au jury. Alors le problème, c'est que l'âge venant, j'ai des problèmes de mémorisation. Alors on va d'abord décerner le prix de la meilleure musique. Originale. Non, d'accord, mais on ne présente pas le jeu. Vous voulez les présenter d'abord ? S'il vous plaît, oui, vous avez raison. Vous avez la liste ? Et non. On va les faire se présenter. Comme ça, je ne veux pas recommencer la bourde qui a désolé. Allez, vous appelez. Sophia et Saïdi.
Catherine Arditi. Sophie Letellier. David Cracci. Ah oui, Dan Franck. Thierry Binisti. Stéphane Zidi. Éric Logérias. Et Sophie Letellier. Bravo. Et on va appeler Stéphane Zidi. Merci à toi. Oui. Pour commencer avec la meilleure musique. La meilleure musique de film. Alors. Gardez-le. Regardez. La meilleure musique de film pour le prix de la musique originale, donc, revient à Nicolas Jorel pour La Permission. Bravo! Merci. Voilà, les reçus est absolument total. Merci infiniment. Pour, merci, vraiment. Philippe Niang, la confiance que tu m'as faite est juste extraordinaire. La façon qu'on a eu de travailler ensemble est géniale. C'est que du bonheur. C'est comme on peut rêver, comme un musicien peut rêver de pouvoir faire de la musique. C'est-à-dire que c'est constructif avec des gens qui ont envie, et notamment toi, tu es une personne qui a vraiment envie. Donc, je vais aller vite parce que il y a beaucoup de monde après moi. Luchon, c'est très particulier pour moi parce que ça fait des années que je viens au Festival de Luchon. J'ai eu le bonheur de faire la musique des petits Lucas, Dominique Ladoge, qui a été primé une fois. On a été reçu sur les LIP, sur plein de choses. L'année dernière, j'étais en jury. J'ai découvert cette charge, qui est quand même, c'est pas rien. Enfin, voilà, on l'a fait sérieusement. Donc, je sais ce que ça représente, donc je suis heureux. Donc je vous embrasse tous. Je vous adore les bénévoles. La façon dont on est accueillis ici est extraordinaire. On boit des petits canons et c'est merveilleux. Et je vous aime. Bravo. Bravo Nicolas Jorel. Merci. Merci à toi. Merci à toi Nicolas. Qu'est-ce qu'on appelle ? Qui est-ce qu'on appelle ? On va appeler Éric Logérias. Pour remettre... Extrait d'abord. Musique courte, allez. Musique de Nicolas Jorel.